Bonjour à tous, aujourd'hui on prend des nouvelles de Michael Schumacher, on parle du V8 biturbo de la Mercedes AMG GT, des premiers tours de route de la R8 LMX et du concept Nissan 2020. Michael Schumacher n'est plus dans le coma, a-t-on appris ce 26 juin par l'intermédiaire de Sabine Kemp, manager du pilote. Le septuple champion du monde a même quitté le CHU de Grenoble où il était hospitalisé depuis plus de 5 mois. Le début d'une nouvelle et longue bataille, élément de réponse avec notre spécialiste Jean-Louis Moncey. Une longue et dure bataille effectivement que va livrer Michael Schumacher dans cet institut spécialisé à l'hôpital de Lausanne, non loin de sa maison. Une bataille qui va se jouer sur deux plans, le plan cérébral naturellement, pour le faire revenir à moins de coma, parce que, je le répète, il n'est pas sorti définitivement du coma. Il y a des éclaircies, mais il y a des moments où il replonge dans ce coma. Et puis, une bataille, je dirais, musculaire, pour lui faire retrouver ses fonctions au maximum. Mais on ne peut être ni optimiste, ni pessimiste dans ce domaine. Ça va prendre des mois et des mois. Et tout ce qu'on peut dire, bien, c'est Michael, bon courage, bats-toi comme tu sais le faire. Pour avoir des nouvelles du pilote, deux adresses, autoplus.fr, rubrique actualité, ou bien le blog de notre spécialiste F1, consultable à l'adresse ci-dessous. Petit aparté pour parler de Seat, le constructeur espagnol semble bien décidé à ne pas laisser Renault trop fanfaronner autour de son chrono-record sur le Nürburgring. Il se murmure que Seat serait en train d'affûter sa Leon Cupra 280 pour venir chatouiller la RS Trophy R. La guéguerre ne fait donc que commencer et devrait prendre une nouvelle dimension avec l'arrivée de la Honda Civic Type R en 2015. Sportif toujours, la chasse aux infos pour en connaître davantage sur la GT remplaçante de la SLS AMG se poursuit. Mercedes AMG vient de dévoiler des détails sur le moteur et nos oreilles avaient entendu juste, c'est bien un V8 qui officie sous le capot du coupé. L'inédit bloc 4 litres gavé par deux turbos développe 510 chevaux et 650 Nm de couple. Question performance, on repassera, le constructeur ayant décidé de ne diffuser ses infos qu'au compte-goutte jusqu'en août. Du côté de chez Audi, la R8 LMX se décide enfin à passer à l'action. La vidéo a été publiée simultanément à la présentation du coupé au public, la veille du coup d'envoi des 24 heures du Mans. Un show qui s'est déroulé sur la piste et de nuit, histoire de pouvoir fendre l'obscurité avec les feux laser, l'une des spécificités du modèle. Autre particularité de cette R8, son V10 de 570 chevaux, soit 20 de plus que la classique sportive, sa teinte bleue et son aileron fixe. Limitée à 99 exemplaires, dont 3 en France seulement, elle s'affiche au tarif exorbitant de 217 000 euros, avis aux intéressés. Terminons par un proto qu'il sera possible de piloter en avant-première dès le mois de juillet dans Gran Turismo 6. Voici le concept 2020. N'y voyez pas une réinterprétation de la Jaguar CX-75. Ce concept est l'œuvre de Nissan pour fêter à son tour les 15 ans du jeu vidéo automobile Star. Une supercar qui pourrait, à en croire le constructeur, ne pas rester cantonnée au monde virtuel et rejoindre le réel. Ça c'est du teaser et affaire à suivre. À demain.